called Bel Air. Chapeau. On dit que je suis charismatique. Voici le charisme alors dans la salle. Fais-y très fort. Je suis hyper content ce soir parce que c'est vrai que c'est la première fois que je joue avec mon grand frère. Non, c'est pas mon grand frère, c'est mon collègue maintenant. Oui, parce qu'avant il me menaçait au quartier. Petit frère, beau travail. Aujourd'hui, il me dit, collègue. Viens mon spectacle. Et c'est assez magique parce que à l'époque, quand je passais au quartier et que les gens m'appelaient, ils disaient, ouais, regardez quelqu'un comme ça qui a raté sa vie. Toi, chaque jour même, tu marches ici, tu marches. Tu marches même quoi? Oh, pauvre jeunesse. Quelques années plus tard, quand je passais, tu vois cet enfant-là? Ah non, c'est la fierté de ce quartier. La maison de mon père est devenue la référence de mon job. Bonjour Sam, j'ai le père de mon style. Et je voudrais dire merci à ma mère qui est dans la salle. Je suis très fort pour ma mère qui est dans la salle, s'il vous plaît. Ma mère est dans ma tête. Ce matin pour la séance de passage, ma jeune nous a dit qu'il faut qu'on marche un tout petit peu. J'étais en train de marcher du côté de mes pandas, j'ai croisé, il y avait une dame, elle marchait avec sa petite fille là. Et puis sa petite fille lui dit, maman, c'est le gars qui passe à la télé, la moustique charismatique, c'est lui, non? Eh lui, c'est lui, tu veux faire la photo avec lui? Oui, maman, moustique! Bonsoir! Il dit bonjour maman. Oui, s'il vous plaît, ma fille voudrait faire la photo avec vous. Il dit, il n'y a pas de souci, maman. Je me tiens là, elle sort son téléphone, elle fait une photo. Vraiment, bravo, vraiment, c'est très bien ce que vous faites. Continuez comme cela, vraiment, nous vous soutenons. C'est très bien, vous faites du bon travail. Continuez, il faut travailler dur, allez-y de l'avant. J'ai regardé cette dame comme ça, j'ai regardé son enfant. Je lui ai demandé, madame, vous aimez ce que je fais? Il dit oui, beaucoup, beaucoup. Vous me soutenez énormément. Vous pouvez envoyer votre enfant faire ça. Vous pouvez envoyer votre enfant aller dans les cérémonies, les mariages. On dit que bon, on va prendre le discours du chef de famille. Il n'est pas encore là. L'humoriste! Aussi! Bien, bien! On va vous donner une intermède. L'intermède, moustique, prends le micro. Et puis il y a un mec qui est assis dans la salle là, il croise le pied, il est avec sa petite amie très bien habillée. Et puis quand il se rend compte qu'en fait le marié, même qu'il a la veste, il a quel genre de veste. Le gars veut montrer aussi sa veste. Il se souvient qu'il faudrait un alibi. L'alibi c'est quoi? Le vieux et les 1000 francs qui est dans sa poche. Il se lève, vient vers toi. Je l'aime. C'est très bien ce que vous faites. Il pose. Il va s'asseoir. À côté de sa table, il y a un autre monsieur qui dit, celui-ci va monter quoi? Il a la veste. Il a fait ma part. Se lève aussi. Jeune homme, c'est bien. 2000. Il va s'asseoir, un autre au fond de la salle. Il a porté le jean en filant.